que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une certaine palette qui n'est pas encore sortie en France, la Heavy Metal d'Urban Decay. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait j'avais vu cette petite merveille sur Instagram, et en fait c'est une édition limitée avec que des teintes métallisées, donc on a un descriptif juste ici. Franchement cette palette est juste trop belle, déjà je suis trop fan de la marque Urban Decay. J'ai dit que c'était une édition limitée et en fait pour l'instant elle est disponible que sur le site internet d'Urban Decay, et d'ailleurs c'est mon copain qui m'a offert la palette. Je devais l'avoir pour Noël mais je l'ai eu un peu en avance, enfin bref voilà. Du coup elle est trop trop belle, je vais vous montrer cette palette tout de suite. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc normalement j'espère que vous avez le bon rendu, parce que franchement je pense que tout le monde dit ça en ce moment sur YouTube, mais avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver on a une luminosité pourri, c'est pour ça que j'essaie de filmer avec le téléphone en espérant que ça aille mieux qu'avec l'appareil photo. Donc là je me suis vraiment mis face à la fenêtre pour avoir la meilleure luminosité possible. En tout cas j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais vous mettre un petit tuto pour réaliser ce make-up en fait, avec une voix off et puis sur un petit fond musical. Donc j'espère que vous arriverez un peu à voir, parce que c'est vrai que le rendu des couleurs n'est pas du tout le même, parce qu'en fait je m'en suis rendu compte après qu'on voyait pas exactement comment ça rendait, mais bon vous voyez un peu les couleurs que j'utilise et puis vous avez le résultat là maintenant. Donc vous pouvez voir que les couleurs sont super belles. Donc pour parler déjà de la boîte, c'est une boîte en carton, parce que moi je garde toujours les boîtes des palettes en fait. Donc elle est comme ceci, violette, avec écrit Heavy Metals comme ça en relief et puis en argenté. Donc c'est super bien. Derrière on a le descriptif des couleurs comme je vous disais, donc on a 20 teintes, et avec un petit descriptif en anglais et en français pour expliquer un peu ce que c'est que la palette, etc. Mais ça je vais vous en dispenser. Donc pour parler de la palette en elle-même, que j'ai déjà sortie parce que c'est juste une merveille, je crois que c'est l'une des plus belles palettes qu'Urban Decay a pu faire. Enfin franchement toutes leurs palettes sont toujours géniales, mis à part quelques-unes que je n'aime pas, mais celle-ci je la trouve vraiment top. Donc elle ressemble à ceci. Donc je pense que vous allez avoir le reflet de du téléphone etc. dedans, parce qu'on voit tous les reflets. Donc pour parler du packaging, c'est en... je sais pas trop en quelle matière ça peut être, peut-être en plastique, je sais pas trop, enfin en tout cas c'est très rigide. Ça s'apparente peut-être même à... enfin en fait je sais pas, mais en tout cas c'est super beau. C'est violet et puis on a un espèce de relief comme ça ici qui fait penser un peu à du métal qu'on aurait... ou je sais pas, j'ai aussi pensé à un ruban de satin en fait. Donc je trouvais que c'était super beau. Juste derrière on a le descriptif comme sur toutes les palettes d'Urban Decay, avec le numéro de série juste ici pour prouver qu'il s'agit bien d'une palette authentique, n'est-ce pas. Pour parler de comment on l'ouvre, alors en fait on a juste ici la palette en fait qu'il faut juste pousser comme ceci, parce qu'on a des petits trucs pour enclencher en fait la palette et éviter qu'elle tombe. En gros si je la laisse comme ça et que je fais ça elle tombe pas, mais une fois que j'ai enclenché, si je fais ça elle s'annonce. Donc pour parler de la palette, on va y arriver, je pense que c'est le moment que vous attendez le plus en fait. Donc je vais la sortir. Donc une fois qu'on l'a sortie, on a l'emballage qui est comme ceci, et là voici. Bon je vous laisse avec le reflet de mon téléphone je pense dedans, parce que là franchement c'est compliqué. Donc elle est comme ceci. Alors en fait ce qui est compliqué avec cette palette, c'est que le miroir se trouve au centre. Donc là, c'est vrai que vous allez voir le reflet du trépied, etc. Mais tant pis, parce que si je fais ça, je pense que ça va être dur pour que vous voyez bien les couleurs. Bon, je vais peut-être tenter de faire ça comme ça. Donc, comment elle se présente? Ici, on a tous des couleurs neutres. Enfin, neutres. Des couleurs un peu chaudes, on va dire. Des beiges, des marrons et des un petit peu plus rouges, comme ici. Et ici, on a les couleurs un peu plus festives, un peu plus pop, un petit peu plus colorées, voire même beaucoup. Elles sont super belles. J'essaie de vous rapprocher en espérant que vous allez avoir le bon rendu. Mais franchement elle est juste trop 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 belle. Pour aujourd'hui j'ai juste utilisé des couleurs plus dans ces tons-ci, parce que je trouvais que c'était plus sympa de vous montrer un make-up un peu plus festif plutôt que vous faire un make-up neutre comme il y a déjà sur ma chaîne. Je pense que ça vous plairait plus en fait. Donc voilà, franchement elle est vraiment unique je pense, parce que bah, tous les fards sont métalliques. Donc ça c'est vrai que c'est une grande première chez Urban Decay il me semble. La pigmentation, pour en parler, bon c'est génial les traces de doigts sur le miroir. La pigmentation est top. Donc j'ai pu remarquer en faisant le maquillage en fait que si on utilise certains fards plus avec le doigt, la couleur va plus s'intensifier qu'avec un pinceau. Donc je pense que c'est peut-être typique des fards métalliques, je sais pas du tout, j'y m'y connais pas assez. Mais la pigmentation est juste dingue. Je vais vous montrer 2-3 fards en vidéo, et j'essaierai de vous faire les fards plutôt en photo, parce que je pense que ça rendra mieux que vous le montrer là en vidéo avec la luminosité qui n'est pas terrible. Donc je pense qu'on va faire ça. Alors par exemple je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on va vous montrer. On va prendre cette petite couleur-ci que j'ai pas encore swatchée. Ouais franchement elle est trop belle. Ouais je pense que je vais vous en faire qu'un seul à la vidéo, parce que c'est une catastrophe la luminosité ici. Voilà. Alors là elle est trop belle celle-là. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement elle est trop trop belle. C'est un espèce de...
de doré. Franchement, elle est magnifique. Et en fait, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pourtant, j'ai à peine posé le doigt et vous avez vu la pigmentation de fou. Donc, franchement, si c'est. Enfin, c'est comme ça pour tous les fards. Donc, je trouve que c'est carrément incroyable. Parce que les autres palettes sont aussi pigmentées, mais peut-être pas. Enfin, peut-être pas aussi intense en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste incroyable à voir en fait. Donc, de toute façon, c'était précisé à l'arrière de la boîte que c'était les fards les plus intenses, il me semble, ou je sais plus. Enfin, il y avait une formule comme ça. Attendez, je vais vous la reciter. Alors, c'était écrit, attention, attention, que chacune des couleurs était inédite et exclusive, et que c'était les teintes métalliques les plus amplifiées de leur collection. Donc voilà, là c'était une petite revue sur cette magnifique palette. Franchement, si vous pouvez vous la procurer, bah procurez-vous-la parce qu'elle est top. Je pense qu'elle est dans les mêmes prix que d'habitude, c'est que les mêmes prix que la Viz, que la Naked, etc. Parce que bah, les palettes Urban Decay, on sait très bien le prix que ça coûte. Et puis on paye souvent aussi le packaging, même si la qualité des fards, il n'y a rien à redire là pour le coup. Franchement, je pense que vous voyez vraiment que c'est une palette totalement, comment je pourrais dire, indispensable peut-être, parce que franchement je trouve que dans une collection ça peut être carrément cool, parce que c'est vrai qu'on peut pas faire un make-up peut-être qu'avec ça, parce que c'est vrai qu'on va être vite bloqué, sachant que c'est que des teintes métalliques, mais combiné à une autre palette comme vous avez pu voir dans le tuto, c'est carrément mieux, enfin je trouve que c'est vraiment top. Donc voilà, si jamais vous avez pu tester cette palette, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous comptez vous l'acheter, dites-moi également ce que vous en pensez, ce que vous compteriez faire avec ça. Et puis si vous pensez pas l'acheter, bah dites-le également, dites-le pourquoi, etc. Et puis dites-moi ce que vous pensez de la marque Urban Decay, parce que c'est vrai que je présente beaucoup de tutos avec cette marque, sans être sponsorisée par eux, je précise. Mais enfin voilà, j'aime bien savoir un peu ce que vous pensez des marques. Si vous avez une marque préférée de maquillage, ça m'intéresse aussi, parce que moi j'aime beaucoup Urban Decay, mais je pense qu'il n'y a pas. Enfin, tout le monde ne pense pas comme moi, hein, c'est évident. Il y a peut-être Too Faced dans le. Je pense qu'il y a une team Urban Decay et une team Too Faced qui peuvent se battre en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto sera assez clair et qu'il vous aura plu également. Je le mets juste après cette petite revue que je vous ai faite, qui j'espère n'est pas trop longue. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre ma page Facebook, mon Instagram et mon Snapchat. N'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Donc, pour commencer, j'ai pris une primer de chez Shop Misa que j'applique sur la paupière en petite dose, etc. Puis après ça, je l'applique au doigt. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une palette de chez Sephora qui est la Hit Palette Delicate Nude que j'avais gagnée dans un concours de chez Vanessa, ma évasion beauté si vous connaissez. Donc là, j'étais un peu en galère pour enlever l'emballage. Donc c'est une super belle palette, franchement. Et donc dans cette palette, avec des petites teintes claires, je vais prendre une rose. Une teinte rose. Que j'applique dans le creux. Donc là, je mets ça dans le creux, mais du coup c'est bête parce que vous avez pas le rendu que moi j'avais en temps réel, en fait. Vive la luminosité de l'hiver. Donc là, j'étais en train de remettre un petit peu de matière. En fait, c'est pour préparer la paupière, plus ou moins, on va dire. Donc là, je vérifie que vous ayez le bon rendu à la caméra. Et là, je vais prendre une couleur un peu marron. Un marron assez clair, en fait. Avec des petites paillettes dedans. Et puis pareil, je le mets dans le creux. Tout en estompant cela. Ça m'énerve parce qu'il y a un espèce de reflet dans l'œil droit en fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas fait n'importe quoi avec mes couleurs. Hein. Donc là, il me semble que je rangeais cette palette. Et puis, je vais me servir de la Heavy Metal. Vous voyez un peu la joie de s'en servir. Donc là, j'étais en train de sortir ma petite palette de son emballage. Vous voyez un peu ma galère, je vous montre un peu le packaging, tout ça, présenté dans la revue. Et donc, je vous remonte les couleurs, qui sont juste magnifiques. Et pour commencer, je vais prendre le fard Metalhead, qui est un très très beau violet, avec des espèces de reflets bleus un peu, quand ils sont appliqués sur la paupière. Donc là, j'ai pris un pinceau plat. Du coup, j'étais en train d'appliquer
la matière sur la paupière. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu en galère parce que c'est la première fois que je testais la palette en fait. Puis c'est dommage parce que vous avez vraiment pas du tout le rendu que moi j'avais en temps réel. Donc là j'applique ça délicatement. D'un côté et de l'autre. Ensuite, je reprends la palette pour utiliser le fard spandex. Donc c'est un violet ou un espèce de... Si, c'est un violet foncé en fait pour appliquer dans le coin externe de l'œil. Toujours avec le même pinceau, hein. C'est pas gênant. C'était pour assombrir un peu cet endroit. Donc je fais ça des deux côtés, comme toujours. Donc celui-là il est un petit peu plus foncé, donc un petit peu plus facile à travailler je trouve, comparé à Metalhead que j'ai appliqué précédemment. Après ça, je rajoute pour intensifier un peu. Je reprends mon pinceau estompeur pour estomper un peu ces petites couleurs là, ensemble, pour éviter d'avoir une démarcation. Et ensuite, je reprends Metalhead avec mon doigt pour l'appliquer sur la paupière et intensifier la couleur. Et là, je pense que vous voyez un petit peu plus la différence. Donc je pense que certaines couleurs plus claires devraient s'appliquer au doigt, à mon avis. À voir après avec les autres couleurs, mais en tout cas celle-ci. On avait appliqué un petit peu dans le coin interne inférieur. Après ça, j'étais en train de regarder si tout allait bien pour vous à la caméra. Je changeais de pinceau pour prendre un pinceau biseauté pour mon ras de cils inférieur. Et j'ai pris la couleur Punk Rock. Donc c'est une sorte de rose. Rose un peu mauve. Mais c'est vraiment une super belle couleur. Je trouvais que ça rendait bien avec le combo des deux violets là. Donc là, j'applique ça tranquillement. Au ras de cils. Donc là j'en rajoute pour intensifier encore une fois. Après ça je change de pinceau pour prendre un petit pinceau fin pour utiliser la couleur Angel Fire pour mettre au coin interne. Donc là c'était pour faire une petite touche lumière, parce que là avec toutes ces petites couleurs foncées, il faut bien mettre une petite touche de couleur claire pour agrandir un petit peu le regard. Donc là j'applique ça tranquillement aussi. Toujours avec ce petit pinceau fin, je viens prendre une couleur un peu noire. Enfin, je pense que c'est un noir. Oui, c'est ça. Il s'appelle Ground. Et en fait, c'était pour ajouter au-dessus de spandex pour un petit peu plus intensifier la couleur également et un peu plus assombrir tout ça, en fait. Que ça fasse un petit effet un peu smoky. Et puis, je viens estomper avec un pinceau estompeur, encore une fois, pour fondre toutes les petites couleurs ensemble. Après ça, je prends un anti-cerne de chez Action dans la teinte Fair Pink que j'applique en forme de triangle pour mieux cacher les cernes en fait tout simplement. Et puis j'estompe ça au doigt. Je trouve que ça marche mieux que les autres techniques en fait. Donc là, j'avais eu un peu de mal à chercher un miroir. Voilà, après ça, je prends un correcteur vert toujours de chez Action pour cacher les petites rougeurs et les petites imperfections qui peuvent être sur le visage. Puis j'estompe ça au doigt également. Après ça, je prends mon eyeliner.
Re tout le monde, je vous reprends un petit peu en vite fait. En fait, j'ai un gros souci. J'ai eu un bug d'encodage, je crois. En fait, la fin de mon tuto ne s'est pas enregistrée sur mon portable. Donc du coup, je suis désolée. La vidéo s'est arrêtée comme ça d'un coup, donc à l'étape de l'eyeliner. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez eu le principal, je pense, avec les fards à paupières. Donc aujourd'hui, j'ai filmé donc cette vidéo pour vous prévenir de ça. Mais j'ai également refait un maquillage avec la Heavy Metal que vous avez juste ici de Urban Decay. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui la luminosité est meilleure et donc je me suis dit que c'était mieux pour vous montrer un peu à quoi ressemblaient les fards à paupières avec une bonne luminosité. Donc excusez-moi encore pour la luminosité du tuto qui est complètement pourrie. J'espère que vous ne m'en voulez pas. En tout cas, j'ai aussi également eu une idée parce que cette palette m'inspire beaucoup. C'est de vous faire des tutos pour les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes toujours là dans la vidéo, à me dire si ça vous intéresse ou pas et également si ce tuto pourrait vous intéresser aussi. Enfin, moi je suis entièrement disponible à vous. Voilà, je vous fais plein de bisous cette fois et puis on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye bye!